Voilà, ça tourne à partir de maintenant. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la page Facebook de France Bleu La Rochelle, de France Bleu Loire-Océan et de France Bleu Gironde. On accueille ce soir avec un grand plaisir Yannick Bestaven sur ces pages. On l'accueille alors qu'il est de retour dans son port d'attache. Bonjour Yannick Bestaven. Bonjour. Alors on va fonctionner, passer un peu de temps avec vous là, un peu plus d'un quart d'heure. L'idée c'est que si vous voyez cette publication, vous partagez, vous commentez, vous likez et vous posez vos questions à Yannick Bestaven et je me ferai le porte-parole des internautes qui suivent cette interview. Interview qui est également partagée sur votre page à vous, Yannick Bestaven sur Facebook et sur la page de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'ai fait un peu le tour des popotes, là c'est bon, on va y aller, on va commencer. Alors, ce retour à La Rochelle, 15 jours après la victoire, comment vous vous êtes senti là, en arrivant dans le bassin des Chalutiers? Bah heureux quoi, c'est la boucle est bouclée, je suis parti mi-octobre de La Rochelle avec le bateau, et je reviens aujourd'hui, après avoir fait un tour du monde, en emportant avec moi le trophée de la victoire du Vendée Globe. Donc pour moi c'est un bonheur de rentrer à la maison avec tous ces beaux souvenirs dans la tête et puis d'avoir été accueilli malgré les difficultés sanitaires par un peu de public qui était là quand même. On a senti la chaleur, l'engouement des Rochelais derrière le projet et derrière ce Vendée Globe, et donc ça m'a aidé pendant ces 80 jours. Et voilà, c'est un bonheur de mettre le bateau à La Rochelle et de voir les Rochelais qui vont pouvoir en profiter et venir voir le bateau. C'est vrai qu'on a senti vraiment l'émotion là. Il y avait quand même énormément de bateaux qui sont venus vous accueillir. Vous avez retrouvé des copains aussi? Ouais, j'ai retrouvé plein de monde, des copains. J'ai retrouvé mes associés aussi de Wet & See, ma société. J'ai retrouvé plein de monde et puis plein de gens que je connais pas non plus parce qu'il y avait beaucoup de monde quand même, même si c'était un peu réduit par rapport à ce que ça aurait pu être sans le Covid. Mais non, de voir les banderoles avec mon nom écrit dessus, c'est plaisant, quoi. Je suis fier d'avoir porté les couleurs de La Rochelle et de l'Aquitaine sur ce Vendée Globe et de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, c'est les retrouvailles avec La Rochelle, c'est aussi les retrouvailles avec votre bateau. Parce qu'en fait, depuis que vous en êtes descendu au Sable d'Olonne, ben, vous n'y étiez pas remonté, quoi. Donc vous êtes remonté à bord du bateau. Ça fait plaisir, c'est aussi une émotion quand on a passé 80 jours à bord d'un bateau de le retrouver comme ça. Oui, c'est une émotion et de naviguer avec mon équipe à bord, c'est sympa quoi. C'est pour le ramener à la maison, après tout ce que j'ai vécu tout seul à bord, ça permet aussi de partager avec mon équipe. Et ouais, c'est bien sûr que c'est une émotion. Et je pense que même peut-être pas ce soir, mais dans les quelques jours à venir, tout seul, m'enfermer à l'intérieur pour décompresser, réfléchir à tout ça tranquillement. Ah, vous enfermez tout seul, vous en avez envie là d'être un peu tout seul? Ouais, j'ai envie d'avoir le temps aussi de faire un peu un bilan de tout ça, de faire un peu le point avec moi-même aussi par rapport à toutes ces belles choses qu'on a vécues pour la suite, quoi, pour savoir un peu vers quoi je veux aller, ce que je veux faire, ce que je veux faire de tout ça. Donc ouais, c'est important d'avoir des moments après ce petit bain de foule, ou ce bain médiatique plutôt on va dire, d'avoir des moments pour soi, ouais, bien sûr. Ouais, j'imagine que là les 15 jours ça a été un choc thermique entre la période de la course et puis tout à coup, une fois qu'on met le pied sur le ponton au Sable d'Olonne, la tempête, le tourbillon quoi. Ouais, mais c'est un beau tourbillon, c'est une belle tempête, je dis que je suis encore sur mon tapis volant parce que c'est vrai que d'être fêté, honoré de cette façon, après cette belle victoire, d'aller à Paris, de faire des médias, de voir des médias parler de la course au large, qui est un sport qui me passionne. Tout ça, ça a du bon, et c'est du bon aussi pour la voile, pour notre sport, parce qu'on s'est rendu compte sur ce Vendée Globe qu'on en a beaucoup parlé, ça a été beaucoup suivi. Et pour les retombées économiques, pour nos sponsors et partenaires qui font vivre la course au large, c'est important. Et je pense que ça va attirer de nouveaux investisseurs, de nouveaux sponsors, il va y avoir des nouveaux projets. Et tant mieux pour la voile française et pour la course au large, et internationale aussi. Et voilà, donc je suis fier, grâce à cette victoire, de pouvoir passer sur les plateaux, parler de bateaux, qu'on voit des belles images de bateaux
je crois que les médias ils ont adoré toutes les images qu'on a pu envoyer pendant ces 80 jours de course. Ah bah c'est clair, on s'est régalé en vous voyant chanter du ouais. Johnny aux Albatros, c'était ouais, un moment ouais, mythique. Ouais, les meilleurs chanteurs peut-être, mais bon, les autres, enfin non, on a eu, grâce à l'annexe multimédia aussi du Vendée Globe, on a envoyé beaucoup d'images à terre tous, et je crois que c'est quand même un des seuls sports où on peut faire vivre à l'intérieur comme ça, ce qui se passe à bord. En Formule 1, on ne peut pas conduire et tenir son iPhone pour faire des selfies ou des vidéos et les envoyer à terre dans les 5 minutes qui suivent. Donc nous on pouvait le faire et je pense qu'on a tous raconté des belles histoires. Et ça casse pas un peu le charme justement, parce que ça c'est assez nouveau finalement que vous puissiez partager comme ça le quotidien de la course. Est-ce que ça casse le charme ou est-ce que c'est au contraire un plus? Non, c'est un plus je trouve, et puis c'est comme ça qu'on vit à terre maintenant aussi, donc on va pas vivre en marge de la société non plus, ou de la modernisation de la société. Nous on avait même un groupe WhatsApp, les skippers entre nous, où on s'échangeait des mots. Ça a servi à certains pour dépanner des pièces. Un avait eu une panne, un skipper avait une panne similaire. Il y en a qui disaient, moi j'ai fait ça, tu essaies de faire ça. On appelle un tel à terre qui vient pour t'aiguiller sur ta panne. Donc je trouvais ça bien. Voilà, on a même suivi le match de rugby, le dernier France-Angleterre du tournoi, sur WhatsApp en mer, avec des commentaires de Benjamin Dutreux. Et lorsque les Anglais ont gagné, les deux Anglaises, Piper et Miranda Meron, se sont bien moquées de nous sur les WhatsApp. Donc ça charmait aussi un peu. Donc non, c'était bien, c'était sympa d'avoir ce petit groupe pour nous. Alors, on a beaucoup d'internautes qui vous félicitent, qui vous disent merci. Merci. Je rappelle donc, pour ceux qui nous rejoignent, que nous sommes en direct avec Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe, de retour à La Rochelle aujourd'hui, de retour pour parler de la course aussi, et puis de ce qui va suivre. Pour revenir un peu sur la course, est-ce que vous disiez sur le fait de communiquer comme ça et puis la façon dont ça se partage, peut-être aussi que cette année ou cette édition est un peu spéciale dans le contexte. Enfin, le Vendée Globe, ça nous a donné de l'air. Oui. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de remercier les autorités publiques qui ont donné les autorisations préfectoral pour organiser le Vendée Globe, nous laisser partir le mi-novembre. Heureusement qu'ils l'ont fait parce que on a pu embarquer avec nous tous les gens qui ont vécu de plein fouet cette crise sanitaire, qui étaient un peu enfermés chez eux, à cause du couvre-feu et de toutes ces restrictions. Et en plus de faire notre sport, c'était une mission aussi d'amener dans l'aventure, de partager notre aventure avec tous les terriens. De faire vivre cette liberté que nous on a pu avoir, même si ce n'était pas tous les jours facile, en traversant les trois océans. C'était vraiment un bonheur et ça donnait, à mon avis, une bulle d'air à plein de foyers, à plein de gens, à plein de monde. Et ça aussi, c'est important et c'était tout aussi important que le résultat sportif. Ouais. Et pour vous, revenir à terre et vous rendre compte que on y est toujours. C'est pas fini, il y a des variants de variants. Et puis on est toujours en couvre-feu, et puis on a toujours des masques. Ça fait quel effet? Moi je suis de nature optimiste, donc je pense qu'il voilà, il y a des vaccins qui existent maintenant. Les beaux jours vont bientôt revenir. Donc à mon avis, on est bientôt sorti de ce tunnel. Et voilà, après c'est sûr que moi j'ai quitté le 8 novembre. Avec des confinements en cours, quand je reviens 3 mois après, je vois des jeunes qui font la queue dans des banques alimentaires, des étudiants qui ne peuvent plus aller en cours, il n'y a plus de liens sociaux entre eux, entre les hommes, dû à ce virus, et je me demande si c'est pas presque plus grave que le virus, quoi, au final. Donc moi je suis optimiste, on est au bout du tunnel là, ça va aller mieux, le soleil arrive. Bon, on va y croire avec vous, alors au soleil qui arrive. D'ailleurs, cet après-midi, on a commencé sous un temps pas terrible et finalement, on est arrivé, vous êtes arrivé dans le bassin des Chalutiers sous le soleil, c'était sympa. Encore des commentaires sur la page Facebook de Maïté, Denis, Isa, Brigitte, Dominique, une pluie de bravo et de merci. Merci à tous. Il y a Zoé qui vous demande à quand sur le bassin? Quand est-ce qu'on vous retrouvera sur le bassin d'Arcachon? Très très vite. Je vais y aller très vite avec mes filles. Rejoindre ma maman qui habite à la Teste de Luche pour me reposer un petit peu, profiter des plages océaniques et de la forêt des Landes et me promener sur le bassin qui est
un endroit que j'adore, où j'ai passé toute mon enfance. Donc voilà, une semaine à venir là très vite. Ouais. Ça fait partie des occasions de se ressourcer aussi, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est important de poser un peu, de s'éloigner du chantier, de s'éloigner du bateau et de poser son sac. Puis avec mes filles qui sont en vacances, pour en profiter, parce que je ne me suis pas trop occupé d'elles depuis le 8 novembre, même en amont. Donc non, ça va être des bons moments, ouais. Vos filles, justement, elles le vivent comment que vous partiez comme ça? Bon, alors elles ont été élevées là-dedans, mais quand même, qu'est-ce qu'elles vous disent? Comment ça se passe pour elles, ce tour du monde, ce goût de la compétition et puis de la course au large que vous avez? On va leur poser la question, mais je pense qu'elles sont super fières. Voilà, elles ont bien sûr beaucoup d'émotions quand je pars, et c'est pas facile à vivre pour elles non plus, parce que c'est des métiers, des sports qui sont un peu engagés quand même, donc, mais elles ne le laissent pas transparaître. Quand je leur ai dit au revoir à La Rochelle, quand je vois le départ du Vendée Globe, il n'y a pas eu une larme. La petite m'a dit, vas-y, fais-le pour toi ce tour du monde, c'est pour toi que tu le fais, n'oublie pas. On est en cinquième, hein. Quand votre enfant vous dit ça, t'as la voix. Voilà, quand je suis arrivé au sable, quand elle est montée sur le bateau pour la victoire, je lui ai dit, t'as vu, ça y est, je l'ai fait pour moi le tour du monde. Et la grande a dit, en plus, tu l'as gagné. Donc, non, elles sont heureuses parce que elles sont fières de leur papa, je pense. Et puis, c'est un peu une vie extraordinaire. Ce qu'on fait, je veux leur donner ce goût-là, pas forcément le goût de la voile ou du bateau, mais le fait d'aller, de croire en soi et d'aller au bout de ses rêves. Et de jamais baisser les bras, quoi qu'il se passe dans la vie. Et voilà, comme moi, de rebondir. Il n'y a pas eu que des situations faciles. Hein. Quand ma société Wattensee a brûlé, il a fallu tout remonter avec mon associé, Mathieu. Quand j'avais plus de sponsors, il a fallu retrouver un bateau, retrouver un sponsor. Enfin, j'ai eu quand même pas mal de hauts et de bas dans ma carrière. J'ai eu des victoires, mais aussi des échecs. Hein. Voilà, ça finit toujours par payer quand on bosse, quand on croit en ses rêves. Et voilà, j'espère leur transmettre ça, et au travers de ce que je fais, de mon métier, de ma passion de la course au large, j'espère que c'est ça qu'elle voit aussi. Quoi. Alors, les hauts et les bas, vous en avez eu aussi sur la course. Si vous devez retenir ou citer, si vous devez citer trois temps forts de la course, lesquels ce serait pour vous? Bah, il y a le sauvetage de Kevin qui a été un temps fort. Le passage du Cap Horn, parce que là c'est un peu la libération des mers du Sud, on se tire de là, on retourne vers la civilisation. Bien sûr la ligne d'arrivée, bien sûr. Quel beau moment, quel moment magique, l'entrée au sable. Ça, c'était fort. Ouais, c'était fort, vous étiez complètement halluciné ce jour-là, c'est ça le terme que vous employez, je crois. Bah ouais, quand je vois les photos, la première page de l'équipe, là, j'ai des yeux tout ronds, comme si j'avais vu, je sais pas, un saint ou la Vierge, j'en sais rien. Mais non, je suis complètement halluciné, ouais, c'est sûr, c'est un beau spectacle, c'est un aboutissement, il y a plein de choses à la fois qui se passent dans la tête. J'ai encore ce regard d'enfant, de rêveur, je viens d'accomplir mon rêve et je rêve encore à ça, je plane. Ouais. Alors, il y a pas mal de questions des internautes sur Facebook autour de la course et plus précisément des soucis au Cap Horn. La question c'est, avec les soucis au Cap Horn et le manque de vent au large du Brésil, comment était le moral? Pour tout dire, quand je passe le Cap Horn, je sais que ça va être très compliqué la remontée. Parce que mon bateau est abîmé et que je vais avoir des soucis pour contenir les attaques de mes poursuivants. Ça, j'en suis à peu près sûr que voilà, ça ne va pas être simple de maintenir cette avance que j'ai. Je repars à l'est, je fais un petit coup météo, je reprends 450 000 sur Charlie. Donc là, je me dis, ah, quand même, je remets une couche, même si je sais que la météo va être compliquée et qu'il ne va plus y avoir de vent. Et c'est vrai que quand je commence à m'empétoler, m'engluer là, au large du Brésil, parce qu'il n'y a plus de vent et qu'il n'y a pas d'endroit où passer ou s'en sortir, là c'est vraiment un coup dur pour le moral et il faut se refixer des nouveaux objectifs. Là je pense même plus à la victoire. À un moment donné, je me dis, tu as la chance d'être toujours en course. Ton objectif majeur, c'était de terminer ton tour du monde, tu es toujours en course. Et puis d'être dans les 5, et tu es toujours dans les 5. Donc remotive-toi pour ça. Et puis, oublie que tu as cru pouvoir gagner le Vendée Globe. L'important, c'est de le gagner ou d'arriver au bout, le Vendée Globe? Je pense que d'arriver au bout, c'est une victoire. Hein. Tous ceux qui ont terminé, hier, j'ai été accueillir mon copain Arnaud Boissière, dit Cali. Il était
les yeux tout ronds, il riait, il était hyper heureux d'avoir fini son quatrième Vendée Globe. Et ça va être comme ça jusqu'au dernier. Et c'est ça qui est beau dans cette course. C'est vraiment un marathon, c'est une lutte contre les éléments et contre soi-même aussi. Et tous ceux qui terminent un Vendée Globe dans leur vie ont gagné quelque chose, ça c'est sûr. C'est une lutte contre les éléments, contre soi-même. Il y a une question de Dominique, c'est quelle fut ta plus grande peur pendant ce Vendée Globe? Alors, ma plus grande peur, c'est de... J'ai eu peur qu'on ne retrouve pas Kevin. Ça, ça a vraiment été une peur, une angoisse que j'ai eue forte. C'est vrai que, alors, Kevin Escoffier, en fait, on l'a... En gros, il y a eu 12 heures pour nous à terre. Il y a eu 12 heures où on se disait où il est, quoi. On n'en savait rien. Parce que Kevin, il a éteint sa balise. Donc, on a des petites balises avec nous, dans nos cirés, ou qu'on peut embarquer. Et cette petite balise Argos qui signalait la position GPS de son radeau de survie s'est éteinte à la tombée de la nuit. Parce que Kevin a cru bon d'éteindre la balise pour garder l'autonomie de batterie pour le lendemain matin. Et comme Jean Lecam n'était pas arrivé à le récupérer le soir, il va revenir demain matin me chercher dans une forêt l'autonomie de balise. Mais nous, on n'était pas au courant de tout ça, on ne pouvait pas communiquer avec Kevin. Donc quand on n'a plus de signaux de balise, de détresse, on imagine le pire, on s'imagine que le radeau a pu buter, qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de Kevin, il n'y a plus de balise. Donc ça a été une peur, ouais. C'était une grosse frayeur. Ouais. Mais bon, c'est une histoire qui finit bien, ça rentrera dans la légende du Vendée Globe. Et encore bravo à Jean d'avoir pu remonter Kevin à bord. Ouais, ouais, c'est une histoire qui finit bien. C'est vrai, ouais. Que là, c'est pour l'instant, sur le Vendée Globe, on est quand même plutôt sur des histoires qui finissent bien. Celle d'Arnaud Boissière, vous en parliez tout à l'heure, c'est votre copain de toujours, enfin votre copain d'enfance en tout cas. Le fait de réussir 4 Vendée Globe d'affilée, c'est aussi une sacrée prouesse. Ouais, c'est exceptionnel, quoi. C'est ce qu'il a fait. 4 participations, 4 tours du monde de bouclés. Il va rentrer bientôt dans le livre des records. Et non, je suis super content pour lui. Il mène bien ses bateaux, ses projets. Le bateau est impeccable, j'ai vu à l'arrivée. Bon, il y a eu des petits soucis techniques comme tout le monde, hein, mais non, c'est un grand marin. Et voilà, et bravo, je crois qu'il va repartir pour un cinquième. Avec lui, là, vous avez réalisé un rêve d'adolescent, en fait, en accomplissant le Vendée Globe, en le réussissant. Ça fait quoi de réaliser ses rêves d'ado? Bah, c'est top, hein. C'est ce qu'il faut conseiller à tous les ados, hein. C'est de, comme on le disait tout à l'heure, de jamais lâcher, d'aller au bout de ses rêves, d'y croire, et de se donner les moyens d'y arriver par la porte ou par la fenêtre. Ouais, de croire en ses rêves jusqu'au bout, hein. Moi, je réalise le mien à 48 ans, avec mon rêve d'ado, et ouais, il m'a fait le temps pour l'accomplir, et j'en ai encore plein d'autres. Hein. Donc voilà, il faut toujours y croire. On arrive à trouver une autre idée de défi à relever quand on a réussi cet exploit-là de faire le tour du monde en solitaire, sans assistance, enfin de réussir le Vendée Globe, c'est quand même un rêve d'ado qui se réalise. Maintenant, vous arrivez à penser à autre chose, à vous projeter sur un autre projet, la Transat Jacques Vabre ou autre chose? Oui, peut-être. On va y réfléchir avec Maître Coq, on va se mettre autour de la table, réfléchir à tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui est encore décidé. Et ouais, des objectifs, que ce soit en bateau ou à terre, je vais arriver à m'en fixer d'autres, ça c'est sûr. Et moi j'aime pas le. J'ai toujours un peu peur du vide, donc je vais pas rester longtemps à tourner en rond, ça c'est sûr, il va falloir me réussir trop d'activités. Donc voilà, soit sur un nouveau projet course, soit sur plein d'autres choses que je fais aussi pas à côté. On va trouver quelque chose pour pas s'ennuyer, c'est sûr. Vous en avez parlé, vous avez cofondé une entreprise qui s'appelle Watansi, qui est basée ici, puis avec laquelle vous avez connu des difficultés, mais c'est une entreprise avec laquelle vous avez équipé une bonne partie de la flotte du Vendée Globe. Tous, en hydrogénérateur. Donc c'est un système qui permet de produire de l'énergie et de ne pas trop tirer sur le moteur, c'est ça? J'explique bien, ça va? Ouais, à peu près, ouais. j'essaie de résumer, je ne suis pas spécialiste. Mais c'est une entreprise avec laquelle vous travaillez aussi. Combiner les deux, le rôle de skipper et le rôle de chef d'entreprise, c'est faisable ou c'est peut-être indispensable même pour avoir des fonds? Ben, les deux m'ont servi. Ma carrière de sportif m'a servi pour monter mon entreprise et ma carrière d'entrepreneur m'a servi dans ma carrière
le sportif pour monter ce projet. Trouver des actionnaires pour acheter le bateau avec moi, trouver des investisseurs, trouver des sponsors, gérer, manager les équipes, parce qu'on parle de course solitaire, mais nous dans notre team on est 8 ou 12 personnes parfois. Donc les deux se regroupent assez souvent. Par contre, je ne fais pas les deux en même temps parce que j'étais là au début de la société de Wat & See pour aider avec Mathieu pour la créer, la lancer. Voilà, et puis une fois que ça a été sur des roulettes, j'avais envie de repartir en mer. Donc moi, je ne fais plus l'opérationnel, je ne gère plus la société, c'est Mathieu qui gère, je suis toujours actionnaire bien sûr. Vu que je peux faire une réunion commerciale pour vendre des hydrogénérateurs, ben, j'y vais. Mais, ça doit être assez vendeur, non? Il y a une Bestaven qui vient chercher vendre des hydrogénérateurs, on peut acheter, non? Ouais, ben là, hier j'ai vu le patron du chantier Privilège au sable, donc c'est sûr que c'est sûr, ça vient en plus sur la carte après avoir gagné le Vendée Globe. Et tant mieux pour l'entreprise d'ailleurs. Parce que les hydrogénateurs, on les a développés sur le Vendée Globe pour les bateaux de course. Et aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de Wat & See, c'est les bateaux de plaisance. Donc, c'est intéressant quand la course sert de laboratoire technologique pour améliorer la sécurité ou le confort des plaisanciers. Donc voilà, c'est une très très belle aventure d'entreprise. Et j'ai une super équipe. Ils étaient là tout à l'heure avec une banderole Wat & See, ça m'a fait super plaisir de les voir. Et ça aussi, ça peut m'occuper aussi, en plus de la course au large. Donc je ne vais pas m'ennuyer pour les semaines à venir, c'est sûr. Bon, on ne va pas tarder à conclure. Juste quelques questions qui sont posées sur les pages Facebook sur lesquelles vous pouvez nous suivre. Donc Facebook de France Bleu La Rochelle, de France Bleu L'Océan, de France Bleu Gironde, de France 3 Nouvelle-Aquitaine et de Maître Coq et Yannick Bestaven. Donc votre page à vous. Bon, toujours beaucoup de félicitations, de bravo, de hippipipoura. Et puis Joël qui vous demande, pas trop dur la tournée des micros. Là par exemple, cet après-midi, vous avez enchaîné conf de presse, plateau pour Sud-Ouest et France Bleu, et puis maintenant c'est mon tour. ça va, vous n'êtes pas trop saoulé par les journalistes? Non, et puis c'est pas terminé, je crois qu'on a encore des trucs au programme, puisque je vais être sur France 3 qui t'aide tout à l'heure. Non, c'est, au contraire, c'est marrant, c'est top, c'est moi j'aime bien faire ça, j'aime bien communiquer sur ce qui m'anime. Donc moi j'ai trouvé ça excellent. C'est sûr que c'est un peu fatigant parce que du coup, après l'arrivée au sable, il a fallu partir vite à Paris sans passer par la case maison. Donc pour l'instant, j'ai pas vu encore trop mes proches, mais non, ça fait partie de notre sport et tant mieux. On va pas s'en plaindre parce qu'on a besoin aussi des médias pour, comme je le disais tout à l'heure, faire vivre notre sport. Donc c'est important et puis moi j'aime bien raconter ce qui m'anime, raconter pourquoi je fais ça, raconter comment j'y suis arrivé. J'aime bien partager. Ouais. Il y a aussi Maryse qui dit que vous avez l'air crevé et que peut-être les nerfs sont retombés un peu là. Alors Maryse, hier soir il y a mon ami Arnaud Bossier qui est arrivé et c'est vrai qu'on s'est couché un peu tard. Et ce matin j'ai repris la mer à 6h du matin. Mais non, c'est sûr qu'il y a la pression aussi qui retombe. C'est sûr qu'à un moment donné, je pense que la semaine prochaine, ça va être d'autres pieds en éventail. Et puis voilà, il va falloir vraiment penser à se reposer. Alors pour conclure, est-ce que vous avez un petit conseil à donner à ceux qui sont encore sur l'eau là, qui sont encore en train de batailler, qui ne sont pas encore arrivés au Sable d'Olonne? Ils sont une poignée, il y en a, si j'ai bien, 5-6? Ouais, ça va être ça, ouais. 5-6, dont Samantha Davis qui a abandonné et qui continue quand même. Est-ce que vous pensez à eux un peu de temps en temps là? Bah ouais, quel courage Samantha Davis ou Isabelle Josque aussi qui est repartie du Brésil. C'est beau ce qu'elles font parce que c'est pas facile de s'arrêter des trois courses et de repartir quand même. Donc ça crée chapeau mesdemoiselles. Et puis pour les autres qui sont encore en course, c'est super déjà, ils ont beaucoup de chance d'être encore en course. Ça veut dire que terminé et bouclé ce Vendée Globe. Et quel que soit le projet, je pense à Clément Giraud qui avait acheté mon ancien bateau, qui est parti avec des petits moyens et un bateau ancien. C'est des skippers et skippers, parce qu'il y a aussi Alexia Barrière, qui sont tenaces, qui vont rien lâcher, qui vont aller au bout. Et je leur souhaite tout plein de courage pour aboutir ce premier Vendée Globe. Moi-même, je l'avais abandonné en 2008, je m'en rappelle, très vite, trop vite. Et eux, terminer la boucle quoi. Donc je pense que déjà ils vont même se projeter sur le prochain Vendée pour certains. Et vous? Et moi je vais me reposer et réfléchir à tout ça, en discuter avec mon
partenaire, Maître Coq, avec mon équipe, avec ma famille, mon entourage. Voilà, mais c'est pas exclu. Bon, ben on restera là-dessus. Merci Yannick Verstappen, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps et puis d'avoir répondu aux questions des internautes qui suivent nos pages Facebook, les pages de France Bleu, La Rochelle, Loire-Océan, Gironde, de France 3 Nouvelle-Aquitaine, et puis votre page à vous. Cette interview sera retrouvée sur ces pages, et puis vous pouvez également retrouver un résumé de la journée. Bon, vous l'avez vécu, mais pour ceux qui l'auraient raté, en images sur francebleu.fr. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.